Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour tester 10 idées de coiffure que vous m'avez partagées qui viennent de Instagram, TikTok et tout ça. Il a fallu qu'une bestiole me suive dans le bureau. Et je parle d'une bestiole qui vole, hein, pas d'un de mes chiens. Donc, j'en ai sélectionné 10 que vous m'avez partagé, enfin 10 que vous m'avez partagé. Il y en a 10 que j'ai, que, enfin, il y en a 10 en tout, mais il y en a que vous m'avez partagé et dès que j'avais déjà envie de tester, il y en a une que vous m'avez énormément partagée, mais que j'ai déjà testée et que j'aime pas du tout le rendu, c'est celle avec la tresse que vous faites vers le bas et que vous rattrapez pour mettre sur votre queue de cheval. Ça fait des bossettes ici. Moi, je le fais souvent, mais je fais une tresse collée en fait et je l'attache juste dans mon élastique et ça marche tout aussi bien et c'est même beaucoup plus joli. Donc, je vous affiche les petits screens des tutos et on va commencer par celui-là qui a l'air assez simple, que j'ai essayé une fois, mais que le rendu ne donnait absolument pas pareil. Donc là, je ne vais pas prendre des tout petits élastiques parce que sinon ça va être trop chiant à enlever. Elle sépare en deux, elle fait deux tresses et ensuite elle les croise. Et le problème c'est qu'elle a beaucoup plus de masse que moi, je pense. Donc d'où le fait que elle, ça donnait certainement mieux que ce que moi, ça va encore une fois donner. Donc je vais essayer de prendre une partie un peu plus large. Elle, j'ai l'impression qu'elle prend carrément jusqu'à la moitié du crâne. Mais moi, j'ai beaucoup de masse en moins comparé à ce que j'avais avant. Elle va me faire chier, cette mouchette-là. Je ne sais pas trop c'est quoi. Donc, elle sépare en deux. Je vais mettre cette partie-là en sécurité. Et elle tresse. Moi, je vais peut-être les tresser dans ce sens-là. Elle les tresse vers le bas. C'est pas toujours évident. Bon, par contre, j'ai mes petits bébés cheveux et tout ça. Je ne m'amuse pas à les plaquer non plus. Hein, puisqu'on va en tester 10. Donc, hop. Et voilà les tic-tics de Lilou en plus des bourdonnements de. Je sais pas si c'est une maillard ou si c'est une mouche. En tout cas, ça m'énerve. Donc, on fait les tresses. Voilà, je vais la détendre un peu pour faire un peu plus de masse. Enfin, la faire un peu plus épaisse. Hein. Vous me faites trop rire à me partager toutes les coiffures, là, d'où l'idée de la vidéo. C'est génial. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en partager d'autres. Et si j'en ai assez qui me plaisent, il faut qu'elles me plaisent aussi, hein, sinon je ne les teste pas. On fera un round 2. Cette vidéo va être très longue. On est déjà à 7 minutes et j'ai pas encore fini une coiffure, quoi. Mais bon, les tresses, ça se fait pas en 2-2. Hein. Ça donne un genre. Alors, elle les croise comment? Attendez, hein. Simplement et les attache derrière. Ok. Donc, elle les croise et elle les attache. Bon, écoutez, je vais les mettre par-dessus. Avec mes bébés cheveux, ça donne absolument rien. Je vais essayer de croiser dans l'autre sens. Ça fait une bosse. Vous voyez ce que je veux dire? Les bas de tresse, ça fait une bosse. Bon, il y a la bossette, ça fait une séparation ici. Franchement, je préfère faire mes deux tresses collées et laisser sur les côtés. Hein. Donc celle-là, non, je valide pas. Alors celle-là, j'aime beaucoup, ça va être très chiant à faire et à défaire. Donc elle fait des séparations avec des mini élastiques en deux rangées et ensuite elle les ramène en demi-queue. Donc, bah, écoutez, on va faire ça. Hein. Donc on va prendre une première section ici.
J'ai oublié de préparer mes mini élastiques. Bon, je crois qu'on va devoir se taper la mouche tout le long de la vidéo. Franchement, il y en a des super jolis que vous m'avez partagés. J'arrive même pas à faire ma couette. Non mais c'est fou ça. Je suis perturbée avec cette mouche. Donc comme d'hab, je vais pas trop serrer les élastiques non plus, hein, parce qu'après il faut que je les enlève. Alors, on va en refaire une à côté. Faut vraiment que je refasse mes racines. Hein. Il m'a bien pris un coup de vieux là. J'ai eu. Je viens de l'assassiner. Je lui ai proposé de sortir, elle a pas voulu écouter. Donc ensuite, elle reprend tout et elle fait une demi-queue. Alors moi, si peu que c'est des demi-queues, j'adore ça. Mais, ouais, du coup, ça cache derrière. Donc, elle, ça donne mieux. Franchement, attendez, je vais quand même les attacher avec un petit élastique pour vous montrer. Rien que la première rangée suffit, je pense. Après, vous pouvez mettre des petits bijoux, hein, bien évidemment. Mais... Moi, je vous conseillerais de les mettre en quinconce. Ça serait beaucoup plus joli, je pense. Elle, ça donne super bien, par contre, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, elle reprend la première caouette dans la deuxième caouette. Mais ouais, logique. Cocole. Donc, j'ai rien dit. Il suffit de remettre la première caouette dans la deuxième caouette, ce que j'ai oublié de faire. Bon, quand je vois le temps que ça prend et le peu de batterie qui me reste, j'arriverai pas à vous faire les 10 coiffures. Donc, je vais en faire 5-6 et je vous ferai un round 2 la semaine prochaine. Hein, comme ça, voilà. Donc là, on va tester celle-là. Alors, ça me fait trop rire, c'est Amy qui me l'a partagé. Quand moi, j'étais plus jeune, donc ça fait très longtemps, on faisait les tresses cascades. Donc, on devait s'amuser à laisser tomber un brin, en reprendre un et tout. C'était très compliqué à faire. Et là, c'est tout simple avec les petits élastiques. Donc, on prend tout simplement une méchouille. Donc je vais la faire que d'un côté, comme ça je gagne du temps, parce que comme j'ai plus beaucoup de batterie, il y en a que j'ai vraiment, vraiment envie de tester. On met des petits élastiques, bien évidemment, si j'arrive à en choper un, parce que là ils sont collés. Aïe! Il a attaqué mon doigt. Donc, on ne le met pas trop à la racine, hein, sinon la caouette va rebiquer. Et c'est pas ce qu'on veut du tout. Je dis, moi j'arrivais à les faire, les 13 cascades. J'avais beaucoup de mal à les faire sur moi, mais sur mes copines, j'y arrivais bien. Donc, j'arrivais à l'école avec, avec leurs élastiques. Et puis, vas-y, fais-moi ma coiffure. Voilà. Quand c'était pas le make-up, c'était les coiffures. Comme quoi, j'ai pas tellement évolué. Sauf que maintenant, je le fais sur moi et pas sur les autres. Enfin, de temps en temps, sur les autres. Oui, parce qu'il y a quelques années... Il y a 2 ans, j'ai ma nièce qui me faisait y aller le matin pour que je lui fasse ses tresses collées. Avant qu'elle aille à l'école. Hein. Donc je me tapais la route jusque chez mon frère. Heureusement, il habite à 900 mètres. Hein. Mais pour aller lui faire ses tresses le matin à 6 h, je ne vous raconte pas comment j'avais la tête dans le fion. Jusqu'au jour où je lui ai dit, t'as pas envie d'apprendre à aller faire toi-même. Bah non, puisque tu me l'as fait. Hein. D'accord. Ensuite, vous écartez et vous chopez une mèche de ce qui reste de vos cheveux que vous passez dedans. En le faisant de façon moins sauvage, ça devrait rendre un peu mieux. je suis tout à la barbare en ce moment. Dans l'autre trou, une deuxième. Bon, là, je les ai un peu trop écartés. Il faut juste moins les écarter que moi. Les élastiques, hein, je parle. Mais comme ça, on voit à peu près ce que ça donne. En tout cas, je vous dis, je faisais ça quand j'étais ado. Enfin, quand j'étais ouais, plus jeune, quoi, on va dire. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je vois pas, moi. Ça a l'air beau.
C'est clairement une coiffure que je peux refaire sans aucun souci. J'aime beaucoup. Donc, je vais juste vous montrer comment j'enlève mes petits élastiques, hein, tant qu'on y est. Je prends mon peigne à queue que je glisse dans une maille de l'élastique. Bon, des fois, ça arrive que j'en prenne deux d'un coup, donc ça, c'est chiant, mais... Non, bien sûr, je vais pas réussir à le faire. Là, j'en ai pris deux. Je tire dessus et je prends mon petit coupe élastique pour... Ben, coupe élastique. Ah ah! Elle était bien bonne, ça. Mamie fait des blagues. Et voilà. Comme ça évite de couper les cheveux. Parce que, si vous avez bien remarqué, il y a des petites mèches un peu rebelles. Ben, c'est quand je coupe mes cheveux. Avec le petit coupe élastique. Voilà. Bon. On va regarder à la suivante. Donc celle-là, je valide totalement. Je savais que ça allait me plaire de toute façon. Alors, on va tester celle-ci. On me l'a partagée de deux façons avec les petits pompons aussi. Mais les petits pompons, on testera la prochaine fois. Donc là, elle prend. C'est pour faire un bun, en fait, tout simplement, assez bouffant. Donc elle prend tous ses cheveux. Et elle fait un champignon au-dessus de la tête. Je perds mes cheveux, c'est affreux. Donc elle ne passe l'élastique qu'une fois. Mais, attendez, je vais prendre un plus gros pour faire deux tours, parce que là, ça ne va pas du tout, Gisèle. Il a passé une fois en entière. Et la deuxième fois, on la passe et on fait le champignon. Voilà. Ensuite, elle prend les pointes. Quelle tortille, tortillon, tortillon, tortillon. Et moi, j'ai moins de... On dirait que j'ai moins de longueur, alors que, je veux dire, j'ai quand même pas les cheveux courts, quoi. Elle les attache avec un petit élastique. On la voit pas mal circuler aussi, celle-là. Il y en a beaucoup qui le font. Et avec les deux petits chignons, les deux petites bouboules, j'ai adoré. Donc, on fera ça la prochaine fois. Elle twiste. Et elle rentre le champignon dans le trou. Et on fait bouffon. Bouvi bouffon. On bouffe, on bouffe. Et voilà. Ouais. Bon. Faudrait les. Ou à moins il faut certainement moins serrer. Moins sortir le champignon. Attendez, on va recommencer. On va recommencer. Je vais les laisser attacher au bout. Mais si en plus je dois recommencer, c'est clair qu'on n'aura pas assez le temps pour faire 10 coiffures. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Champignon. Donc on va le faire vachement moins sortir. Voilà. On prend les mèches. De derrière qu'on remet devant, on twiste et on passe le champignon dans le trou. Ben, écoutez, c'est une coiffure rapide à faire pour traîner à la maison pour tous les jours. Donc, ouais, je valide aussi. Sauf que moi, je peaufinerai quand même, quoi. Parce que je le trouve un peu fouillis. Et le faire un peu plus au-dessus de la tête. Mais oh, sinon, ça fait un beau bun. Voilà. C'est bien gonflé et tout. Donc, je valide. Et on va tester celle-là. C'est hyper rapide. Ça se passe derrière, mais c'est super rapide. Donc là, il me faut deux petits élastiques. Donc, elle fait deux caouettes en demi-queue à l'arrière. Et pareil, elle fait les deux petits champignons. On va appeler ça des champignons. Pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer hein, ce que ça donne de derrière. C'est juste que là, il faut que je regarde quand même un minimum qu'est-ce que j'en fais. Surtout que le rendu, moi, je ne verrai pas. Enfin, je vais avoir du mal à voir en tout cas. Petit champignon numéro 2. Voilà. Et ensuite, alors attendez, je me retourne. Ensuite, elle prend les deux et elle en passe un dans l'autre.
Voilà, et apparemment ça tient. Bon, ça tient pas des masses, hein. Faudrait les pincer, quoi. Après, je sais pas ce que ça donne, hein. Attendez, je vais pincer. Je pince. Pour qu'on voit vraiment ce que ça donne. Voilà, c'est à peu près, hein. Donc, moi, je vois pas trop ce que ça donne. Je vais essayer de regarder avec mon miroir à main. Vu la taille de mon miroir. Non, ça n'a pas l'air. Je pense qu'il faut les cheveux très bouclés pour faire ça. Pour que ça tienne vraiment en, comme elle en. Elle, ça fait un beau chignon. Donc non, celle-là, je valide pas. Pourtant, ça donnait super bien. Maintenant, si vous avez les cheveux hyper longs et très bouclés, n'hésitez pas. J'ai cru que j'avais coupé une grosse mèche, mais non, c'est celle qui est attachée. J'ai peur. À me dire si vous la testez, ce que ça donne. Ouais, comme je vous ai dit, il y a celle-là que j'ai absolument envie de tester. Ouais, les autres. On va tester celle-là quand même, parce qu'elle est hyper rapide aussi. Voilà, elle fait juste une petite tresse sur le côté. Et elle rattache pour faire. C'est la même que je vous ai montré en vlog. Comment? Que vous m'aviez partagé où elle mettait juste un petit twist là et je vous l'ai fait en vlog. Et ben, c'est la même personne. Je ne sais pas rendu ici. Je vais le faire un peu plus haut parce que comme moi j'ai les lunettes, je ne vais pas l'attacher au niveau des lunettes. Hein. À quoi que si j'aurais pas trop le choix, sinon on verra pas la tresse. Donc je vais descendre juste un tout petit peu plus bas et écarter la tresse. Voilà, je pense que là on est bien. Donc j'écarte la tresse. Et ça, vous pouvez même le faire des deux côtés après. Et bon, attendez, je vais quand même enlever mes lunettes. Je ne sais pas si elle attache la tresse ou pas, mais. Ouais, vous voyez, je l'ai même fait un peu trop longue. Je vais peut-être les ramener un peu en arrière. Ouais, bon. Non, j'aime pas. Je valide pas. Vaut mieux la faire aller vers l'arrière en fait que comme elle. Non, j'aime pas. Ça fait bizarre. Et puis en plus la cahuète, pourtant je l'ai vraiment pas serrée. Hein. Donc, et la dernière que j'ai absolument envie de tester. Je me fais des nœuds avec la tresse. J'ai oublié de la défaire. Depuis que je l'ai vue, j'ai très 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 envie de la tester. Je l'aurais dû attester s'il n'y avait pas eu cette idée de vidéo. Mais voilà. Et en plus, c'est un compte que j'adore suivre. Elle est aussi bien sur TikTok que sur Instagram. C'est les mêmes coiffures. Hein. Mais j'adore ce qu'elle fait. Elle utilise beaucoup de petits bijoux comme j'aime bien. Et du coup, elle fait des trucs magnifiques. Là, c'est pas avec des bijoux. Il y en a une autre à tester à elle que j'ai envie de tester. Avec des bijoux, je veux dire. Donc là, elle fait des bouboules au-dessus et toutes des petites séparations avec des bouboules qu'elle détend. Donc écoutez, je vais faire ça parce que ça va être très long à faire. Et je viens vous remontrer le rendu. Et attendez-vous, si ça me plaît, attendez-vous à le voir prochainement en réel. Hein. Voilà, donc je fais ça parce que j'ai presque plus de batterie. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Alors, j'adore. Bon, je vous avoue, j'en ai fait qu'une. C'est extrêmement long à faire de mettre tous les petits élastiques comme ça. Donc j'en ai fait de tailles différentes et j'ai voilà avec des pompons de tailles différentes aussi. Mais j'aime beaucoup. Donc vous allez clairement le revoir dans un futur réel. Voilà. Comme ça, je ferai ça correctement. Parce que là, le pompon ici, il est un peu. Trop gros. Ici, j'ai dû mettre une pinette parce qu'il y avait une bosse. Mais voilà. Mais même avec juste la couette comme ça, j'aime bien aussi. Voilà. Donc, celle-là, je valide à 10 000%. J'avais vraiment très envie de la tester, celle-là, et j'adore. Voilà. J'aime trop. Donc, on va conclure la vidéo comme ça. Avec une couette et une multi-couette. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Donc je vous ferai quand même le round 2 avec les autres idées que vous m'avez partagées.
N'hésitez pas à m'en partager d'autres, hein, soit par mail comme d'habitude, ou sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, voilà, qui viennent de TikTok, qui viennent d'Instagram, voilà, à votre guise. Bien sûr, je ne peux pas toutes les faire parce que vous m'en avez partagé énormément, et il y en a qui ne me plaisent pas, ou avec des accessoires que j'ai pas, ou des choses comme ça, mais je fais le tri, et regardez, là, j'ai pas assez de place pour faire toutes les coiffures. Donc je vous ferai quand même au moins le round 2, mais on peut déjà anticiper pour un round 3, si ça vous intéresse. Et voilà, je crois que ma préférée c'est celle-ci quand même. Après j'aime beaucoup Perfectly Eccentric, là, elle fait toujours des super belles coiffures. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et pour un round 2 coiffure. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis... Bisous, bisous.